Et salut, c'est Music et on se retrouve pour la suite de South Park The Stick of Truth. Aujourd'hui, petit live matinal avec très peu de personnes, je pense. Mais c'est pas grave. Par contre, le son est très fort. What the fuck, le son est très fort. Comment est-ce possible? C'est juste moi ou... Non, le son m'a l'air vraiment très fort. Je vais baisser un peu le volume général parce que... C'est un peu abusé, voilà. Ok, ce sera peut-être un peu mieux déjà. Alors que je me souvienne, je devais rentrer chez moi théoriquement. It's late, hon. Your parents will be worried. Donc alors pour rentrer chez moi, vérifie sur la carte, c'est juste à côté. On peut y aller à pied quoi. Quoi, c'est vendu? Ah oui d'accord, il y a toujours le truc, l'affiche vendue en fait. Well, there he is. You make any new friends, sweetheart? Nothing to say, huh? What a surprise. It's late, sweetie. Go on up to bed and I'll be there to say goodnight. Okay, maman. J'ai rien d'autre à me dire. Go on to bed, sweetie. I'll be up to say goodnight. Tiens, je suis curieux de savoir si... non, ça c'est ma chambre. Je vais aller voir dans la chambre des parents, si je me souviens plus si j'étais allé. Tiens. Apparemment non. Casse les trucs même chez nous, quoi. Logique. Je peux bien avoir là-dedans. Pourquoi chez nos parents il n'y a pas des trucs chelous? Il y a des crayons quoi dans la table basse, il n'y a même pas de. Même pas de god quoi, j'hallucine. Craig est maintenant célibataire. Je suis désolé pour toi, mon pote. Les voyeurs travaillent seuls. Ah oui, c'est vrai, ça j'avais déjà lu. Ah, c'est vrai que je peux aussi cacher des trucs dans mon coffre. Good night, little man. I hope you're as happy as we are. Everything is going to be better now that we're in this quiet little mountain town. What the fuck? Y'a des aliens ou quoi? Ah, énorme! I'm having the dream again. Okay. Dreaming. What's happening? Oh, Jesus! Jesus Christ! Oh, can we try the big silver one again? Oh, oh c'est trop sale. Non, ils vont mettre une sonde anale. Serrer le sphincter, c'est dégueulasse. Oula, il a l'air tout dur celui-là. Oh.
Ah non, 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 aïe. Ah, c'est tellement sale. Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Hey, pourquoi j'entends quasiment pas le mec? Kid, you have an incredible control of your asshole. Get me loose too. Nouvelle quête kidnapping alien. Ah, je peux pas sortir de là. Je peux tirer sur un truc. Vous pouvez utiliser votre nouvelle sonde alien, vous vous téléportez. Maintenant, maintenez LB enfoncé, sonnez la sonde alien ou tapotez jusqu'à qu'elle soit sélectionnée. Ok. Wow, look at that! You must have broke off part of the probe and now you can control it with your sphincter muscles. Pretty cool. Ah, je peux me téléporter vers une sonde alien comme ça. I'm surrounded by some kind of force. C'est très chelou. Go find a way to shut it off. When you break me free, I can show you how to get off the ship. Attends, pourquoi il y avait marqué ah, est-ce que je pouvais. Ah, je pouvais activer ce truc, ok. Casque alien. Je vais utiliser ma sonde alien, excusez-moi. C'est des trucs que je peux pas péter du tout. Avant de sortir de là, je vais aller vérifier ce que c'est que mon casque alien. Ils attaquent avec une arme. Inflige 10% de dégâts en plus. Okay. D'ailleurs, j'ai plus mon casque, pourquoi il est plus équipé? Et là, il est rééquipé en fait. Je vais quand même prendre ce casque là. Il inflige quand même pas mal de dégâts en plus et me rajouter de l'armure. Et je vais là-dessus. Je vais retirer ça. Je vais mettre celui-ci. Et rajouter l'armure. Et. J'ai un pyjama maintenant, what the fuck? Ah, je dois rééquiper tous mes trucs en fait. Oh mon dieu, il y a de ces coupes de cheveux dégueulasses. Ah, pour aucun. Ah, c'est dégueulasse. Au secours, quoi. Je sais même plus si je peux récupérer ma. Je mets rien en fait, c'est même ma coupe de cheveux de base. Ah putain, il y a des aliens. Ok, je peux pas traverser du coup maintenant. Le fait est qu'il doit y avoir une sonde, ceci dit, où je peux traverser. Est-ce que je peux prendre cette porte, là, d'ailleurs? Avant toute chose. Ah, hello, is this recording? If you are hearing this, I've been taken hostage on some kind of alien ship. The aliens did unspeakable things to my rectal cavity. But I've broken free. I'm so scared and alone. I must find a way off this ship. Oh god, they're coming. Why am I standing here making an audio log?
I don't have time for this. Leave me alone. Bon, ça valait toujours le coup de récupérer ce petit journal audio. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est comme ça. Par contre, cette fois-ci, je vais être tout seul. Il y aura personne d'autre que moi. Momo. Bouclier réfracteur. Ils ont l'air d'avoir pas mal de vie, ces enfoiros. Qu'est-ce que je peux bien faire? Tiens, j'ai de nouveau les invocations. Non, j'ai plus que le gong, en fait. Vu qu'on n'a pas passé une journée entière. Voyons voir. Essayer de m'en faire un par derrière. Ouh. Ah mais c'est vrai qu'ils ont des putains d'armure en fait. Oh mon dieu. Si on nous sentait grande, s'il vous plaît. Waouh, c'est super chaud. Je sais pas si je suis censé y arriver ce truc, mais... Ouh. Ok, il a l'air de pas kiffer ça. Je vais utiliser toutes mes grandes potions de soins, mais... Il a plus rien. Du coup, on devrait pouvoir le prendre par derrière. Ouh. Ah, ça a pas suffi, les bâtards. Ouh. Ah, il se soigne en plus. Là, je peux rien utiliser du coup. On va utiliser l'arc, ça ira très bien aussi. Ouh. Ah, il s'est remis un bouclier. Momo. Ok, c'est passé à travers le feu, nickel. Ok, nice. Tiens. Ça que je voulais faire. Ah, j'aurais pu les tuer en fait, je suis vraiment con. Au lieu de me les taper à la loyale, j'aurais pu utiliser mon. Mon arc pour faire ça. J'étais un peu idiot du coup, mais bon. Oh, hey, grave. There you are. J'avais oh, pas marqué. Yep, that's the Lambda containment block. Take that elevator next to you. The probe in your asshole should interface with it. On va utiliser la sonde alien, ok. Great, you're in. You're looking for a security console.
Should be one above you in probe maintenance and another below you in the atmospheric processor? Yeah, I know this stuff. Can't remember which one you want, though. Been a while since I did this. Ok, j'ai eu le droit à un nouvel équipement alien. Ah, j'avais même pas entendu qu'il y avait mon truc qui sonnait derrière. Hop, désolé pour la petite attente. Ok. Inventaire. Le costume alien confère un bouclier bloquant deux des coups au début d'un combat. C'est plutôt cool ça. C'est plutôt cool. Modifier. Le costume alien. Je peux mettre dessus de plus. Faire 2 PP lorsque j'ai des dégâts de feu, dégâts d'écœurement, restituer 25 PV supplémentaires lors de soins, 65 PV à chaque tour de combat. Alors ça pour regagner des PP avec l'arc à la base. Comment je me mets là-dessus? Ah, je crois savoir. Après, je choisis l'emplacement où je vais aller. Ok. C'est simple en vérité. Day 2. So hungry. I've searched for food, but the only thing I've found are other people's annoying useless audio logs. Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last. I must keep looking for a way to survive. No! What? Il faudrait que je puisse aller de l'autre côté. Le truc, un truc que je vérifie si je peux me TP en bas ou pas. Je peux même passer là en dessous. Ah, et on se fait râper par le ventilateur, c'est dégueulasse. Excellent. On va aller combattre lui. Momo. Cet arc est assez pété quand même, hein. Great, you're there. See if you can free me from that console. Probably not, though. It's incredibly advanced alien technology. No way some kid could work it. Du coup, je sais pas si j'aurais dû passer par en haut ou par en bas en premier, mais. I've looked everywhere, but I can't find anything to eat or a clue to get me off the ship. No more! No more, please! You're gonna have to find another way! Quoi? Faut que je fasse quoi? There! I think that... Oh no! No! That... Oh no! That kills!
Switch it back! Okay. Keep going, I think you're onto something. Ah d'accord, il faut que j'attende en fait. I knew I could trust you, keep it up! I'm still stuck, better try the other console. Ah ok, il y a plusieurs consoles en fait. Score! Aliens hate electricity! Cristal d'énergie alien, ça fait quoi ça? Dévie 10% des dégâts en plus lorsque vous bloquez, rapporte 1 pp en cas d'attaque parfaite. 15 points de dégâts de foudre en cas d'attaque parfaite, ça c'est plutôt pas mal. Je ferais peut-être même mieux de mettre ça sur, sur l'arc en fait pour l'instant. Que je me souvienne ici, ajoute 20 points de dégâts d'écœurement en cas d'attaque parfaite, c'est déjà... C'est beaucoup ça par contre. Points de dégâts électriques, c'est moins cool. Tant pis, du coup... Faut que je remonte maintenant. Ok, let's try the other console. God, I hope this works. Tiens, il faut que je vérifie un truc. Est-ce que je peux utiliser mon arc, quelque chose ici? Non, même pas. C'est meilleur dangereux de traverser ici. Lui doit être assez dangereux par contre. Ouh. Ça a l'air d'aller hein. On a réduit l'attaque mais il est mort direct, donc tant mieux. Ça fait plaisir de voir de la sonomie à 9h du mat, effectivement un gay. Maîtrise défensive alien. Qu'est-ce que c'est donc que ce truc encore? La maîtrise défensive alien, plus 7 d'armure réduisant les attaques ennemies. Ouh, c'est pas mal. Est-ce que j'avais de l'armure sur un truc? Merde, c'est pour ça que je voulais faire. Là-dessus, je crois que j'avais de l'armure. Ah, mais mon dieu! Je sélectionne, voilà. C'est toujours un peu chiant dans ce menu. Audio log that was mildly amusing.
A woman trapped on this ship left an audio log about some papers she had left in an alien cabin. And she told me the code was 776. That was kind of cool because I didn't know the code before that. Though when I opened the cabinet, there was only some kind of power-up I didn't really need. Une sonde anale brisée, c'est sérieux? Qu'est-ce que c'est, du coup? Ça doit être un truc pour les armes, ça? Ajoute 15 de dégâts en cas d'attaque parfaite. Dégâts bruts. Pas trop l'intérêt. Ce n'est pour éviter d'avoir ce problème contre des monstres qui ont des résistances particulières. C'est bien, ça m'a ouvert le coffre, mais je peux pas me TP. Ah, c'est peut-être avec ça du coup. Ah, je peux pas traverser, comment je fais? Comment je vais faire? Je peux plus redescendre là. What? Ah, il faut que je refasse le tour par là-bas, je crois. Ah non. Ah, je peux rien faire, vraiment. Ah, j'avais oublié d'activer ce truc, bien sûr. Évident. Ah mon dieu, c'est horrible. What? What? Ah, oh, no, okay. Next time's gotta be the turn. Give it all you got. Comment se fait troll? The eyes, you've got to keep trying. Truc impossible. Ok, ça ne fonctionne pas. Incroyable. Head back towards the elevator. Ah, attendez, là il y a un truc à faire avec mon arme. Je peux pas tirer depuis ici. Vous allez où là? Possible. Je retourne à l'ascenseur, mais je peux pas descendre là. Comment je vais revenir là? Pas trop, parce que de toute façon je peux pas tirer là, ça va s'arrêter. Comment je me casse d'ici? Ah, je pouvais aller là-bas derrière. Okay, I.
Ah, il faut que je fasse super gaffe du coup. On va essayer de tirer depuis ici. Faut que je sois rapide. Hein. Ok, ça fait en moins. Et là, il en reste plus qu'un du coup. Je sais pas si je... Apparemment, je suis obligé de le battre quand même. Les gants aliens. Les miens sont déjà bien, hein. Je reçois de l'armure, j'ai beaucoup de trucs dessus. Rien de vie, attaque avec les armes à distance font mal et tout ça. Les gants liens, ils confèrent 1 pp quand on bloque une attaque, donc c'est un peu pourri quoi. C'est quoi ce boss? Ça a l'air d'être un boss. No. What the fuck? C'est quoi cet attirail qu'il a sur lui? Je pense que là, du coup, on va utiliser des aptitudes un peu différentes, ce qui c'est l'agression pour l'assommer. No. Là, il devrait prendre bien cher. Hein. Voilà, crève. Le combat aurait été un peu difficile si j'avais pas pu... Mais il y en a un autre qui était mort là. Pourquoi j'ai pas eu les objets? Est-ce que j'étais pas dessus? Oh bizarre. Hey, that did it! The force field's down! Come on back and we can get out of here! Ok, il faut que je retourne... En arrière, du coup. It's another Saturday night. Feeling alright, feeling okay. Oula, c'est quoi ce trou? Success! I found something that looks to be food. It's some sort of green fluorescent goo. I'm gonna have to try and eat some. It's not so bad. It's tangy and nutty. Would probably go well with that. Hey. Oh putain! What the fuck? Pourquoi y a un clochard allemand nazi quoi? What the fuck? Quand je parle de conspiration alien. Il a beaucoup d'armure par contre. Bon, c'est vrai que ça bloque deux attaques. Ouais. C'est fusil comme magie, je me souviens même plus. Qui étourdit, qui réduit son attaque, sa défense. Ça serait pratique, hein, une sorte de flatulence, mais... Ok, attaque améliorée, il s'est soigné. Oh, j'ai vraiment pas mis cher cette fois. Et je gagne plus de PP là, what the fuck? Ah si, j'en ai gagné tout plein, mais parce que c'est la fin du combat, ok. Un chapeau en papier alu.
6 d'armure. 25% de dégâts subis par les aliens, c'est pas dégueulasse. Empêche aussi le gouvernement, les hackers chinois et le chien de vous forcer à tuer des gens. Oh lolo. Par contre, je perds en... Je gagne énormément en... Mais je perds en dommages. Ça vaut peut-être pas le coup. Surtout que des têtes des aliens, je vais pas devoir en battre encore beaucoup, donc... Oh, j'ai une sonde alien. Attendez. Pénètre 20 de l'armure ennemie, ça c'est plutôt pas mal. Cas d'attaque parfaite, réduit les défenses de la cible, dévie 10% des dégâts en plus sur ce que vous bloquez, donc ça c'était mon truc. Pénètre 20 de l'armure ennemie, par contre je suis vachement court, en plus j'ai mes dégâts augmentés là. Ces 3 attaques. Non, je vais juste vérifier ça. De nouveau, draine jusqu'à 25% de PV sur les cibles en sang. Plutôt pas dégueulasse, ça. Ajoute 15 de PV de dégâts de foudre. Ajoute. Ça, hein, ça peut être pas dégueulasse. Je peux les mettre en sang, c'est plutôt cool. Ah, on a l'impression qu'il a un vieux tampon. En main, avec cette rune dégueu. Il me faut un truc, mais ça, ce sera pour plus tard. Faut que je retourne ici. Great, you made it! Okay, use this panel here and we can all go home! Merde. Oh, non, je recommence. Oh, oh, you did it. Cette vieille musique. Thanks, kid. I don't know who you are or if you're real. On entend rien de ce qu'il dit vu qu'on est dans l'espace, je sais pas ce que c'est. Your friend. C'est que ce bordel. Until we meet again. Monsieur Marsh est devenu mon ami maintenant. Ok, maintenant j'ai ce qu'il me faut pour me casser de là. Et non, Aguet, je ne te dis pas au revoir. Bon TGS à toi. Hein. Sur les cassettes de Baby Fark McGizax. Beaucoup de potions, sinon, à part ça. Ah, il y a un Pokémon là, enfin, un pseudo-Pokémon. Roboxinelle. Messieurs les aliens, bonjour. Bouclier découpé. Matrice de défense, what? Ok, ça commence déjà très mal. À savoir que...
Ok, la matrice de défense qui va les aider à devenir meilleurs. Donc honnêtement, je pense qu'il faut qu'on se défasse de ce truc en premier lieu. Elle est immunisée contre le feu, mais elle prend quand même cher. Putain, ça pique un peu quand même. Voilà, ça c'est fait, ça a explosé. Ouais, il m'a sondé, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il m'a défoncé la gueule. Une grande potion de soin déjà. Après on se retirera le feu. On va déjà commencer par en... en stun 1. Bouh. Il est immunisé? Vous êtes sérieux? Je suis obligé de me retirer ce feu là, c'est pas possible sinon. Pas trop le choix en fait. C'est un peu chier mais... On pourrait pas retirer le feu comme ça pour l'instant. Est-ce que l'agression passe sur le copilote? Peut-être que oui. No. Il est immunisé aussi, ok, d'accord. Là, je vais me faire défoncer la gueule. Avec un peu de chance, ça, je peux retirer mon feu. Voilà, plus d'effets négatifs déjà, c'est plutôt pas mal. Et ensuite de ça, on va... Ah merde, j'ai pas de points pour le faire, chier. On est obligé d'utiliser notre arc. Oh. Ouh, il me reste 2 HP, vous êtes sérieux? Ça y va les potions de santé dans ce... dans cet endroit quoi. J'ai pas assez, toujours pas assez. Malheureusement, on va continuer sur la même voie. Oh. Et il devrait crever théoriquement. Mon dieu. J'ai pas réussi à le passer, waouh! J'ai tellement mal. On va prendre une petite potion de santé cette fois. Non, quoique je suis quand même obligé de prendre une grande, j'ai trop peur de me faire défoncer. Potion de santé grande, voilà. On lui fait un coup dans le dos. Bouh. Histoire qu'il se mette déjà à saigner, ce serait plutôt cool. Oh, mais sérieux, je me suis pris 3. Mo,
Move. Non, mais je vais crever. Move. Sérieux, move. Pourquoi ils ont attaqué à deux cette fois? Waouh. Un peu abusé là, quand même. C'est pas ça que je veux faire. Ok. Qu'est-ce que je peux bien commencer par faire ? Ok, tant qu'ils m'ont pas mis du feu, tout va bien. Mou. Oh putain, pas ça. En plus, on peut vraiment pas s'en défaire de ce truc. Ah, j'ai réussi à le bloquer cette fois. Ça, c'est cool par contre. Du coup, on va prendre une petite potion de santé. Faut vraiment que je me débarrasse du capitaine en premier. Il est beaucoup trop dangereux. Putain, mais il fait trop mal avec son laser, quoi. Salut Soru Bros. Pouh. Ouh. Ça fait super mal, mais. Ouh. Patate chaude. Qu'est-ce qui lui arrive? Il s'est barré. Ouh. Ok, d'accord. Tant mieux, ça me va. Wouah, ça pique! Mais what the fuck! Oh. Wow! C'est quoi ce boss de psychopathe? Le copilote a l'air presque plus dangereux du coup. Utiliser un truc de fortitude ou je sais pas quoi. Voilà, ce sera pas mal, je pense. Mou. Mou.
Ok, j'ai réussi à le passer. Là, on devrait être mieux lancé dans le combat, je pense. On va s'attaquer à lui en premier parce que... Non, je lui fais tellement pas mal au début. Par contre, j'ai une tellement meilleure défense là, c'est tellement mieux. Je suis pas censé drainer de la vie avec ce truc. Potion de santé grande. J'arrive à le parer ce truc maintenant. J'ai le bon timing. Lui, on va le mettre en feu déjà. Objet, potion de santé petite. Cher, il devrait crever là théoriquement. Ah merde, je me le suis pris cette fois. Tant pis, il est quand même mort. Tout va bien. Yes? At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving! We've got another UFO crash. Il y a un énorme problème avec les voix là, c'est pas possible. Pourquoi elles sont toutes... toutes en arrière-plan comme ça? Même pas toucher un truc concernant les voix, quoi. Vérifie dans les options, j'ai fait de la merde avec les voix. Non, elles sont pourtant à 100 et volume général, ça. Truc bizarre. Nouveau message de Monsieur Marsh. Écoute, il y a un sang dans le couloir à droite de la pièce où on était enfermé. Tu peux sortir par là, mais il se peut que j'ai cassé l'ascenseur en utilisant. Alors tu devras le réparer, désolé. Merci encore de m'avoir sorti de là. J'ai bien essayé de leur demander d'arrêter, mais je suis trop poli. El Nouveau, merci d'avoir joué avec nous hier. C'était vraiment super, j'espère qu'on remettra ça aujourd'hui. Ok. Amélioration disponible. Ah, j'ai monté de level. C'est intéressant par contre. Alors, inflige des dégâts supplémentaires aux cibles étourdies. Vous réussissez à chourer un ennemi, vous récupérez ainsi quelques PD en plus. Ou dans le dos réussi, inflige désormais 2 flots de saignement. Ça c'est plutôt.
J'utilise jamais ces trucs de magie, mais bon, en même temps, pour l'instant, ils me sont pas très utiles. Parce quoi, il faut que j'aille chez Cartman là. Ah, c'est vrai que j'ai encore des trucs à faire avec l'amour sport, tout ça. J'ai pas de quête principale pour l'instant. Ah, voilà. They came out of nowhere. There was a huge earthquake, and then there was burning in my yard. Didn't you hear about it? It's all over the news. Here, look. And that a large earthquake and several fires in the south. Il y a vraiment un problème avec les voix là. Woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. Il y a vraiment un putain de problème avec les voix. The only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell. Est-ce que c'est dû à mon nouveau casque? Ça, je sais pas. Thanks, midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick. And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Retrouver les gothiques. And we shall lay waste to the drow elves once and for all. Fucking cheaters. Alors juste, ouais, il y a un gros problème là avec les voix où je sais pas ce qui se passe, mais... Je vais passer dans les options vite fait. C'est dû au casque alien ou je sais pas quoi, mais c'est très bizarre quoi. C'est que dans les cinématiques, c'est très chelou. Ah non, là lui il parle tout à fait normalement. What? Alors les gothiques, c'est vers... Faut que je regarde la carte. Pas mal de quêtes vers là, trouver un endroit. Pour l'amour sport, effectivement. Je chasse au gros gibier à faire aussi là-bas. Ils sont vers l'école, donc c'est tout à l'autre bout. J'ai pas un truc pour me TP depuis ici. Hi Andy. Ah si, voilà. Pourquoi il reste ça? Ah, c'est des mecs que j'avais tués, il reste encore leur... Leur reste. Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Il y a même about. Plus du tout de voix là. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. C'est quoi ce bordel? Toutes les cinématiques sont buggées. What's this? Join the kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play dungeons and douchebags. Yeah, beat it, new kid. Oh, come on. Let's do it. We never do anything. No way. C'est nul. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair.
Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. You're not goth. Et là ça marche. Et dès qu'on est dans les cinématiques, ça fait de la merde. Quoi ? Je pensais que c'est mon casque. Moi je les entends pas, hein. Je sais pas d'où ni comment, mais. If you're looking for smokes, quand je leur parle comme ça, ça marche, et quand chaque fois qu'il y a une cinématique, ça marche plus. Recruter les gothiques, non conformistes, acheter une coiffe gothique, revêter là, acheter une paire de gants gothiques. Tenue gothique, boire du café, face et gothique. Il y a tout un tas de trucs à faire là. Et on va se faire le truc à pied, je pense. Have you tried Tweak Brothers Coffee? It's terrible, but for some reason. Voilà, j'ai les voix normales là des gens dans la rue, mais dès que c'est des cinématiques, c'est bizarre, ça bug. J'ai des boutons pour couper le son ou ce genre de truc, mais. Pas du tout activé là. C'est passé où, Jésus ? C'est devenu un vieux bruit. C'est où Jésus? J'ai entendu un vieux bruit, il est pas là. Hey, il est là quelque part, mais où? Qu'est-ce qui branle? What? Mais il est où? Je capte pas là. Ah, peut-être qu'il faut que j'utilise Kenny, je n'en sais rien. Je peux pas prendre la porte. J'entends rigoler, mais je sais pas où il est. Il y avait pas un truc là-dedans? Ah non, c'est juste la feuille qu'on voit de derrière, ok. Par rapport à cette plante là sur le truc, je croyais qu'il y avait un truc caché dedans.
Bon, Jésus, ça suffit, là. T'es où? Tu fais quoi? Peut-être qu'il faut que j'utilise mon sort de flatulence, en fait. Je me souviens plus comment on utilise le sort de flatulence. R2 de base. Non mais j'ai éteint la lumière, mais le problème c'est que ça change rien. Ça change que dalle. Ah, il est caché là derrière. Ah, well done, my son. I hope you didn't peek. Remember, I will always be at the side of those who have found me. You can call me once per day with this, but I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. Ouais, très buggé ces voix chez moi, je sais pas pourquoi. Le prêtre et Jésus sont mes amis. Je suis heureux que tu aies trouvé le Christ, mon fils. Si tu as besoin de lui, sois le plus vigilant, car tu pourras les trouver dans les lieux les plus improbables. Je l'ai retrouvé dans ma cheminée un jour. C'est quoi? Can you keep a secret? Neither can I. Ensuite, carte, il faut que je monte là, ici. The stick is ours! Font chier les elfes, de toute façon, ils donnent pas d'XP. Un peu d'études gratuites. Ah, c'est eux qui vont filer les cigarettes. Take your stupid hair and leave. Take your stupid hair and leave. Take your stupid hair and leave. Ok, d'accord, je vais les taper pour choper leur clope. Alors. Je sais pas si je devrais utiliser ça, j'ai beaucoup mieux normalement. Alors, Kenny. Baiser royal, ami à poil. Cavalcade de la licorne, ça je l'avais pas encore. Je veux chez une licorne magique pour piétiner une rangée d'ennemis. Bon, on va faire ça là-dessus. Ah, c'est tellement gay. Merde, je me suis trompé de bouton. Fuck. Fuck. Ah là, sur eux je regagne des PV maintenant, mais... Kenny s'est mis à revivre d'un coup. Ah oui, c'est vrai que... il peut crever, mais du coup lui il se met à revivre automatiquement, c'est assez sympa ça. Stalling won't save you. Ah.
Oh putain, j'ai une rune de level 7. J'ai même pas le level 7 encore, je crois. Level combien ? Si, je suis level 7. Cinq dégâts de feu, c'est pas dégueulasse. Ah mais Jimbo, j'y suis déjà allé, donc ça sert à rien. Regarde ma carte. Je vais aller vers l'est maintenant. Le café, la tenue gothique, c'est là. Un endroit où poser votre saucisse sèche. Retourner chez Kenny, histoire de continuer un petit peu cette quête aussi, parce que... ça va être pas mal. Ou aller là, je sais pas si je dois y aller maintenant ou pas. Peut-être faire 2-3 quêtes annexes. TP depuis là où je suis, un petit peu plus à droite. Come on, give me a reason. Qu'est-ce qui se passe ici, what? Folks, there's nothing to be concerned with here. Absolutely nothing out of the ordinary is going on. We're simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. Pourquoi j'ai pas le son, moi? C'est un truc de ouf, ça. Soon. Very big Taco Bell. It's going to open in a few weeks. Thank you. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Is it going to be a full menu Taco Bell, or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn. We don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is gonna be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Ils sont en train de faire un drap. Oh, what? Folks, we know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Mark? Comment ils ont abusé, quoi, sérieux. Mon dieu. Ouais, je vois que chez vous, vous avez le son, mais chez moi, c'est bizarre, je l'ai pas. Je sais pas pourquoi. Très chelou. Très 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 chelou. Tu peux récupérer des trucs sur son cadavre, c'est tellement abusé. Sweetie? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks, thank you. Et maintenant j'ai vraiment plus du tout de son. À tout à l'heure j'en avais un petit peu. Maintenant j'en ai vraiment plus du tout, c'est ce qui est assez ouf. Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks, thank you. Ah, c'est abusé ça. J'ai vraiment plus du tout de son maintenant. Parce qu'au départ je les entendais un tout petit peu de nouveau, mais là je les entends plus du tout. C'est très 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 bizarre. À moins que j'ai un vieux... vieux, comment dire... faux contact. Ça craint, quoi. Thank you.
J'espère que ça sent pas l'arrachat de casque ou quoi, parce que... Move along, sir. I can't look at you without feelings of deep personal shame. Where are your parents? Elle est où comme ça? Je me souviens plus. Ah mais j'ai déjà dépassé le truc que je où je voulais aller là. Je suis monté beaucoup trop haut en plus. On y reviendra plus tard, tant pis. Je vais aller là-bas. How do you feel to totally not be able to see the new Terrence and Phillip movie? Je vais devoir acheter du café ici. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping Tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dappled cornfield, ready for harvest. J'achète du café là, s'il vous plaît. Au-dessus là, noir torréfié. Salut, si 20 personnes avec ce poste, un site m'a promis un iPad gratuit. Hey Big Nose, you should consider having some work done. Hey, there he is, new kid. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight, but I warn you, fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time, and you might as well skip it and just come with us. Non, je combat. There is no way you can win, and fighting us will be a complete waste of time. Are you sure you want to fight? Okay, let's get this over with. Est-ce que c'est réellement impossible que je gagne? Je n'en sais rien, mais ça m'étonnerait. À mon avis, ils sont tout pourris. Stop dicking around. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Là, j'aurais eu besoin de Butters, par contre. I have to go to the bathroom. Quoique non, peut-être même pas. Fini, on va utiliser la licorne, cette fois-ci on va essayer d'éviter de se chier dessus. Un dernier que je vais agresser. Non, je vais pas agresser parce qu'il faut que je retire ses. J'ai pas trop le choix en fait. Wait, j'utilise. Comment fait pour sauter? Ah, c'était avec le joystick, je sais plus comment on fait. Je sais plus comment on fait. Come on! Une orgie. In your face. Ah. On a ralenti le salaud. This sucks. Merde, je suis con, c'est vrai que je suis en voie de dégâts. Ah, quel idiot, mais quel con. Donc, Kenny revient d'un tour direct après, c'est ce qui est assez abusé. Il est sans PD, mais bon, charme. Est-ce que je peux utiliser charme?
Flutter sera beaucoup plus rapide. Le problème, c'est qu'on perd un tour en faisant ça, quoi. C'est assez chiant. That didn't count. Mon dieu. J'ai regardé si j'ai récupéré mes invoques. J'ai toujours pas récupéré mes invoques, en fait. On peut visiter vraiment qu'une seule fois. Ah, on t'avait bien dit que c'était inutile, les enfoirés. Ah, les enfoirés. Ce jeu te troll du début à la fin, de toute façon. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carmen's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Ouais, il faut que je fasse un choix maintenant. I am sending our best ranger to help guide you. The bard is also at your disposal now. Genre, j'ai des nouveaux potes maintenant, c'est n'importe quoi. Patch d'allégeance elfique. Genre, on va être obligé de trahir Cartman et tout. The humans have raised banners around town claiming elf territory for their own. So saith the Well of Insight. Plus, it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Je ferai une pause tout à l'heure, j'essaie de relancer le jeu juste pour voir si j'ai de nouveau les voix parce que ça m'embête un peu. De pas les avoir même si j'ai les sous-titres. Hein. Any ally of the Elf King is an ally of mine. And my shop is open to you. Ouais. Je vais revendre juste une ou deux potions parce que il y en a où j'en ai beaucoup trop. Du coup, je peux pas les utiliser après. We elves craft the finest shit in the land. Acheter. Ah, je peux acheter que ça en fait. Ils vendent pas de. Ah, mais non, si, ils vendent du. Oh, elle a l'air de faire mal à la malfille, dis donc. Et celui-là aussi, il fait très mal. Il fait très mal, mais il a pas le feu par contre. Ce qui est un peu dommage. Par contre, il a deux trucs. C'est plutôt cool ça. Je vais m'acheter ça. Ça. We elves craft the finest shit in the land. Tête d'armure. Faire attaque renforcée à la mort de votre pote. Faire 50 PV lorsqu'un votre pote attaque. C'est plutôt cool. 10 d'armure, waouh, c'est pété ça. Mais ça oblige vos potes à mourir, donc il faut jouer avec Kenny, quoi, en fait. Il faut faire crever Kenny et... Férique d'elfe.
Antoine. 25 PV à chaque tour, inflige 10% des dégâts de plus avec un arc. Ça peut être pas dégueulasse. Inflige 10% de dégâts en plus avec les armes à une main, c'est plutôt cool ça. On va tout prendre. On va tenter de se refaire un nouveau stuff. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. All is lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. Ah, j'ai une nouvelle quête. You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melody. If I only had a flute. My Facebook says the Ranger might be selling one. You know where the Ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Il y a encore une deuxième quête, je pense. Don't let Cartman use you. Alors voilà, la lame elfique fait 10 fois plus mal, quoi. C'est juste abusé. Par contre, elle a pas de truc dessus, quoi. Il y a pas de genre de pénétration d'armure ou ce genre de conneries. Pas spécialement beaucoup beaucoup plus fort. Mais ça a quand même 10 fois plus la classe. Alors, jusqu'à 5 d'armure, jusqu'à 30 d'armure. Des dégâts en plus lorsque vous bloquez. Je pense qu'on peut aller sur l'armure, parce que de toute façon l'attaque de base j'utilise pas, si ce n'est peut-être justement quand il y a des armures, donc rajouter des dégâts de tel ou tel type ça sert pas à grand chose. Par contre les dommages sont assez abusés. Ah d'accord, c'est 38 x 3, donc là ça va jusqu'à 207, c'est quand même vachement plus pété quand même. Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut mettre du coup? Attaque ignore jusqu'à 5 d'armure, divise 10%. Point de dégâts, non, ça s'en fout. On peut faire le drain avec ça par contre, vu qu'on peut faire jusqu'à 2 attaques, ça peut être cool. Ah, ça draine des PV sur les cibles en sang, c'est donc pour ça. Donc il faut que je fasse un saignement et du coup ça en même temps si je veux avoir les. Les deux effets. Pourquoi pas. En termes d'armure, c'est pas beau. Ah il est dégueulasse ce chapeau, sérieux. Là ce chapeau. Augmente les PV max de 10. C'est un de PV quand un pote attaque, c'est quand même assez pété, ça permet de pas être obligé de prendre des potions. C'est pas dégueulasse quand même. 100% avec les armes à une main. J'ajoute de l'armure, ça peut être intéressant. Non, je vais peut-être quand même mettre un truc avec les dégâts de l'arc. C'est pas cool. Par contre, le costume alien est vraiment craqué, je trouve. Je vais encaisser deux coups dès le début.
Avec cette d'armure en plus grâce à ma rune, c'est plutôt pas dégueulasse. Celui-là, il a déjà deux trucs, il a déjà 10 d'armure, on peut lui rajouter encore de l'armure, c'est peut-être encore plus abusé sur les combats longue durée. Je vais mettre 7 d'armure en plus. Je peux faire avec des dégâts. Encore plus d'armure, augmente les PD, le confort de PD, attaque de feu. D'écœurement. Le problème c'est que j'ai pas de feu ni d'écœurement là pour l'instant. J'en ai pas mis de patch de ce style. Autant y aller avec les dégâts de base. Par contre, j'ai aucun moyen de récupérer des PP malheureusement. C'est un peu la merde ça du coup. Quête d'armure, confère, attaque renforcée. Je préfère peut-être les trucs avec, avec ça. Les Gandalf sont quand même vachement plus stylés en fait. Voilà. Ce chapeau est tellement pourri. C'est un truc de ouf. Voilà, j'ai enfin récupéré le dernier truc pour la quête de Timmy. J'ai tout plein de nouvelles quêtes maintenant. Je lui parlais à lui, j'ai même pas fait. These human banners are dark tidings. Will no one break the shit out of them? Il y avait un truc là. Un poignard. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Pénètre 25% de l'armure ennemie, la cible se met à saigner en cas d'attaque parfaite. Peut-être être bien sur le mien, mais... Beaucoup moins de dommages, par contre. Ceci dit, je peux peut-être faire jusqu'à 4 saignements sur l'ennemi, ça paraît un peu abusé. Ah, apparemment j'ai des trucs pour infliger des dégâts de froid. Ajoute 25% de dégâts de gel en cas d'attaque parfaite. Dégâts de gel qui peuvent peut-être me permettre de geler l'ennemi, ce qui sera assez puissant quand même. Je vais peut-être retirer ça en fait, on s'en fout des saignements au pire. Autant ajouter des vrais effets. J'ai rajouté 25 dégâts de feu et comme j'inflige déjà des dégâts de feu, je vais mettre un truc pour récupérer des PP parce que... Pour lequel j'ai fait ça. Voilà.
Je suis dans la maison de Kate cette fois. Je suis même pas sûr que j'avais déjà pu y aller. Ça me semble pas. Ok. J'ai chopé un slip objet de Kate. Je me souviens plus qui c'est à qui je devais filer ces trucs. Figurine des cyborgs d'île. Sinon j'ai un peu la barbe d'Hagrid, ouais. Alors. Document d'adoption canadien. La clé du garage. Ah c'est cool, j'ai la clé du garage. Une perruque barbare. Ils sont sérieux. J'ai l'air de rien avoir d'autre à faire ici. Ah, je peux avoir de l'acné, c'est dégueulasse. Là, c'est marrant que les parents de Kyle ne soient pas là. Have you seen the new Taco Bell yet? Incredible. Et le nouveau Taco Bell est ouvert. Ouf, la quête de Kyle. Oh mon dieu, c'est énorme. Petit aimant, ça fait quoi ça? À part 20% d'argent supplémentaire. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, changer ma barbe. Je déroule la quête. C'est tellement moche. C'est tellement moche. La barbe Mongo est pas trop dégueu, ça va encore. Ah, oh, c'est de vieille moustache. Ces roues flaquettes, elles sont dégueulasses. Il y a tellement des trucs qui veulent rien dire en termes de maquillage. Les papillotes. C'est comme ça que ça s'appelle? Vous savez les trucs de juifs là... torsades au niveau des oreilles. C'est tellement sublime ce vieux maquillage glamour rétro. Je sais pas quoi mettre. C'est dégueulasse. Pas noir, c'est moche, mais. Bon, où est-ce qu'il faut que j'aille? Faut que je regarde la carte. C'est pas le tout, mais j'ai plein de trucs à faire. J'ai la maison de Stan. Rendez-vous à la résistance de marche. Préparez-vous à je ne sais pas quoi. Faut savoir que je m'occupe d'autre chose en premier lieu.
c'est dans sa maison que je dois mettre le truc pour les rats ou je sais pas quoi. Non, c'est peut-être dehors. Voilà, saucisse moisie. Non, je vais me taper le chien. Holy free, holy. Voilà, sommet. Le toutou. Putain, il a beaucoup de vie, hein. Qu'est-ce qu'il a comme aptitude? Accord de puissance. Aptitude. Rémi chante une chanson qui affaiblit les ennemis tout en fortifiant votre groupe. Rémi endort les ennemis, Jimmy endort les ennemis avec sa musique, les empêchant de prendre leur tour jusqu'à ce qu'il ait subi des dégâts ou se réveille naturellement. Il donne A lorsque Jimmy commence à bégayer. Check this out. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she Boy, did she swallow? I had a nice man that she set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Wow, what a terrific audience. Wow, what a terrific target. Non, je vais pas jouer l'aptitude, je vais utiliser à l'arc long. Mais c'est tout pris là, il est ralenti, il est brûlé. Accord de puissance, qu'est-ce que c'est exactement? Do you like the taste of salted pork rump in your mouth? Eyes on the apple. Je sais pas ce que ça fait l'accord de puissance, mais bon. Ça a dû augmenter mes dommages, je ne sais pas. Je vais crever au prochain tour si tout va bien. Ça va, c'était assez easy en fait. Ah, niveau 8, nice. Débloquer une nouvelle aptitude. Les cibles étourdies subissent des dégâts supplémentaires, ce qui peut s'utiliser en combo avec ça. Ah, par contre, j'ai un nouveau truc. Bombe puante. Jette des œufs pourris sur vos cibles, la rendant écœurée et ôtant les effets de statut bénéfique. Lance davantage 2 en cas d'exécution parfaite. Ça peut être intéressant de le monter, ce truc, du coup. Bah, je peux pas que le monter à partir du niveau 9, donc pour l'instant, ça n'ira pas. Ok, ça. Ensuite, carte. Progresse, rendez-vous à la résidence de Marche et préparez-vous à je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est la quête de l'ogre, on va y aller. Alors ne vous étonnez pas si je ne dis pas au revoir à la fin de l'épisode ou quoi, parce que je vais couper le truc en plusieurs morceaux, on va dire. Et il n'y aura pas d'intro spécifiquement à l'épisode, je vais faire ça un peu plus simple. Donc juste si vous regardez la rediff sur YouTube, pas que vous étonniez que ça coupe d'un coup quoi. Qu'est-ce que ça fait lui? Je peux pas le... Non, je peux juste le taper, mais ça sert à rien. Okay.
Est-ce que je suis à la bonne maison? J'ai déjà dépassé la maison, en fait. Ça doit être celle-là, mais c'est tellement mal fait, en fait. C'est tellement mal fait. J'étais encore jamais ici, du coup, je crois. Stan's dad takes really big shits. On est dans la chambre de ses parents en premier. Who the fuck are you? I'm gonna kill you, turd. Tabarnak, what the fuck? Elle est canadienne. Who the fuck are you? I'm gonna kill you, turd. Ok. Ah, un nouveau slip. Pour qui je dois récupérer... Timmy ! Ok, sympa. Je sais plus pour qui je dois récupérer ces slips, d'ailleurs. Donc ça, c'est cool, mais il faut que j'aille dans ça. Rendez-vous la résidence. Préparez-vous, je sais pas quoi. C'est pourtant la résidence, là. I'm never coming out. I'm never coming out. I'm never coming out. Quoi? Il y a quelqu'un à l'intérieur du... I'm never coming out. Du placard, what the fuck. Peut-être que je sorte, hein. Peut-être que j'aille dans le jardin, en fait. On peut pas sortir par là. Là, je capte pas, je vous avouerai. Ou alors, c'est ce truc. Take cover. Now. Take cover. Ça fait rien du tout. Je suis au bon endroit au moins, c'est ça que je comprends pas. Ah oui, ça peut pas être un autre endroit. Welcome to the neighborhood. Hey, if you ever want to sue anybody, you can come to me. Ah tiens, je l'avais pas encore en ami lui. First, okay? Mon dieu, j'y comprends rien. Faut que j'aille où pour faire ce truc? Faut peut-être aussi que... Je vais juste vérifier un truc. Je peux changer mes compagnons, c'est dans groupe. Que je prenne lui dans mon groupe. Hein. Ah voilà, il fallait que j'aie dans mon groupe. Nothing can prepare you for this battle. If I die, tell the guys I fought bravely. Down on that side is where my parents sleep. Elle, Shelly, marche, du coup.
Give me back my iPhone, demon! You little turd! I've brought help! Let's see you try and take us both! Ah! Lol. Your days are numbered, She-Ogre! En fait, c'est pour vous familiariser avec les nouveaux ennemis. Enfin, les nouveaux ennemis. Les nouveaux personnages, plutôt. Elle a beaucoup de points de vie, ceci dit. Elle est immunisée, ouais, génial. Alors, condamné, qu'est-ce que ça peut être ce truc? Un disque de pouvoir. Stan projette un disque mortel vers la cible. Le disque peut rebondir sur des cibles aléatoires. Stan exécute une attaque rotation à l'épée qui fera plusieurs adversaires. Condamné, qu'est-ce que c'est que ce truc? Go get him, boy. Ok, je peux réduire la défense, plutôt pas mal. Can I just take my turn? Tourne et appuie sur A dès que vous voyez. Ok. Oups. C'est tout pourri. You hit like my grandpa. Quoi, rage des menstruations, c'est dégueulasse. On va tester l'autre. Ah non, je peux pas faire autre chose que le 10 de pouvoir du coup. You got somewhere you'd rather be? Kill! Tapoter A lorsque vous voyez. Die, okay. You disgusting wench! Hi-ya! Putain, mais elle me défonce la gueule quoi! Elle me défonce la gueule. Hello. Are we playing or what? Un petit coup dans le dos histoire qu'elle saigne bien comme il faut. Par contre, peut-être plus elle saigne, plus elle est violente, ça se trouve en plus. Ça, je saurais pas trop dire. Go boy. Oh, fusée explosive, c'est dégueulasse. Ah, elle m'a défoncé. Waouh. On va retenter le coup du disque. Bon, c'est vraiment pas mal. Wow. Vraiment pas easy ce boss. Hein. On va utiliser l'arc, ça par contre il nous sera sans doute très utile. You mind if I update my status while we're waiting here? Elle est ralentie, c'est vachement utile. Red Rocket! Potion de soins petite. My health has gotten low.
tenter de survivre comme on peut. Elle est bientôt morte. Ah, c'est clair, ça fait beaucoup beaucoup de points de vie. Hein. Un petit coup d'arc, je pense. Ah, l'arc fait super mal. Je continue à la ralentir, c'est plutôt cool. Merde, j'aurais dû baisser la défense avant. Ah là, je lui ai fait tellement mal. Man, we rip shit up. Il y avait trop de stacks de sang sur elle. Take mine iPhone again, and I shall bring justice swifter yet. Get out of my room, turd! I bow to you, Ogre Slayer. I'm glad to call you friend. Ah yes, nouvelle demande d'amis maintenant du coup. Je suis pas loin d'avoir bientôt un nouveau talent, je crois. Il manque un. Un personnage à ajouter en ami pour que j'ai une nouvelle compétence, donc c'est plutôt cool. Une carte. Par contre, cet épisode va s'arrêter là pour la rediffusion. Je continue le live, ne vous inquiétez pas. En tout cas, la rediffusion de cet épisode s'arrête là. Merci d'avoir regardé tout ça. Du coup, je fais quand même une petite outro, mine de rien. Et pour les autres, bah, ça continue, n'hésitez pas donc à rester, il n'y a pas de souci. Alors, égalité pour tous, détruisez la bannière humaine placée dans le parc. Quoi ce truc, ça n'a rien à voir ça. Je détruise des bannières un peu partout ici. Allons-y. Ahoy, Maplebeard! Truc que je dois détruire. Come play hide and seek with us, you're it. Oof. Oh boy. Quoi, je dois combattre des petits gosses quoi. Alors. I think my mom did a pretty sweet job with my costume. Là, je vais pouvoir utiliser ce fameux pouvoir. Stan exécute une attaque de rotation. Can I just take my turn? Faut que je fasse quoi dans cette attaque? Fallait que je tourne le joystick, fallait que je fasse quoi? Ah ah. Mort de rire. Ah putain, ils m'ont fait mal. Dude, what is the hold up? Oh no! Get him, boy! Ah! 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 Oh no, you don't.
Je vous ai mis sur une ligne avec son attaque de base. Oh, je me suis défoncé là. Oh no! That could have sucked a lot worse. J'ai une nouvelle quête maintenant, du coup, trouver les enfants qui se cachent. Ouais, donc du coup, je disais, cet épisode s'arrête là. Donc, merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas les pouces verts, les commentaires, etc. etc. Allez, ciao, ciao.